Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Prince of Persia The Lost Crown. On va voir ensemble l'entièreté des items à trouver pour la zone intitulée Arbre Soma, à savoir le PNJ qui nous vend la carte, les trésors, les objets à collectionner, les jarres de sable, les pièces de Xerxès et en bonus, vous verrez aussi quelques zones à cristaux. Cela vous facilitera la vie si vous souhaitez tout trouver en vue du 100%. Comme pour chaque vidéo de la chaîne, si ce n'est pas fait dans le but de me soutenir, je vous encourage à vous abonner ainsi qu'à liker la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater du contenu à venir. Et pour finir, je suis régulièrement sur Twitch. Sans plus attendre, voyons la suite ensemble. Toujours dans l'arbre Soma, en étant passé par ce chemin et en étant monté ici jusqu'à l'arbre Wakwak, à notre droite, se trouve ce PNJ qui va nous débloquer la carte. Prête-moi ton œil du vent. À cet endroit, l'arbre Soma, ici, à ce lieu, on zoome, on passe là, en cassant ça, on descend, et là, un coffre, qui contient, voilà, eau insaisissable. Et ça, c'est carrément super intéressant. La forêt a retrouvé. Oui. Grâce à toi, nous sommes débarrassés de cette créature. Elle venait d'un autre monde et a voulu nous dicter sa loi. Une opportuniste. Mais le monde, ce n'est pas elle. Il y a autre chose. On vient d'obtenir une amulette vent tournant. Peut servir. Tout à fait en haut. En utilisant vos compétences, il faut être assez avancé ici. On obtient un coffre. À cet endroit là, l'arbre Soma, cette pièce, on peut y récupérer un coffre. Cela dit, le chemin est difficile d'accès. Aussi, je garderai la meilleure prise. Coffre obtenu. Et surtout, ce que l'on obtient est très intéressant. Voilà, un slot supplémentaire pour notre amulette. Pour se rendre dans ce lieu, il va vous falloir le skill de pouvoir casser les éléments. On casse ce mur. On descend. Encore. On traverse. Et ici, à cet endroit, il y a un coffre à obtenir. Il s'agit d'une énigme qui n'est pas si évidente que ça. Aussi, on va la voir ensemble. Dans cet endroit. Primo, on descend en bas. Encore. On récupère ses statues avec ce skill. Et on la pose. Ici, on enlève celle-là. On la met là, elle ne servira à rien. On récupère cette statue, on la pose ici. Ensuite, on monte. On récupère cette statue. Autant pour moi, j'ai commis une erreur. C'est celle-là qui vient là. On va lire le message qui est ici parce que c'est finalement d'une certaine façon la solution de l'énigme. Ces statues montrent la garde tournée dans une certaine direction. Un objet est caché dans un endroit secret. La plus grande regarde vers l'est et surveille toutes les autres. Donc la plus grande, c'est bien elle. On la met là. Et elle regarde toutes les autres vers l'est. L'est est à notre droite. Ensuite, la moyenne garde une plus petite dans la meilleure direction. Enfin, surveille les deux autres. La plus petite attend un invité. Ce qui nous met sur la puce à l'oreille, c'est le dernier.
surveillant les deux autres, la plus petite attend un invité. Automatiquement, vu qu'elle surveille les deux autres, elle est forcément là. Et elle sera au milieu. On n'a plus qu'à tourner celle-ci. Et c'est bon. Voilà. On ouvre le coffre. Et on obtient quelque chose de super utile. Un lingot de Damas Azur. À cet endroit ici, j'ai récupéré un ennemi explosif pour casser la paroi qui est là. Une fois que c'est fait, je me rends ici. Je garderai la meilleure prise. Et à ce niveau-là, on trouve donc un coffre. À cet endroit ici, j'ai récupéré un ennemi explosif. Et ensuite, je vais me rendre ici. Pour exploser cette paroi. On affronte la vague d'ennemis. Et une fois que c'est fait, on peut se rendre ici. Et récupérer cet élément. Cet endroit donc. Pétale de l'arbre Soma. Ici, à cet endroit. Arbre Soma. Sur notre gauche. On monte. Encore. Là, on descend. Et on récupère. Lingot de Damas Azur. À la droite de l'arbre Wakwak, ici, vous voyez, il y a une espèce de d'élément explosif à l'ennemi. On le récupère, on monte. On va à notre droite. On monte, on avance. On s'agrippe ici. On jette là. On se régrippe. Et on récupère le coffre. Au niveau de l'arbre Soma, tout à fait en haut là, à cet endroit là, se situe une note, objet de collection, objet maudit. À cet endroit, l'arbre Soma, ce qui est limitrophe à la basse citadelle, se trouve un objet ramassé. Objet de collection, le couronnement d'un roi divin. Dans l'arbre Soma, à cet endroit là, sur la gauche, petite lueur ramassée, objet de collection obtenu, la chute de la tribu hyrcanienne. Tout à fait en haut ici, à l'arbre Soma, se trouve un élément caché, objet de collection, carnet de botanique de Cyrus. Tout à fait en haut à droite de l'arbre Soma, à cet endroit, se trouve un élément de prophétie. On souhaite se rendre à cet endroit.
Et ici, on trouve... Prophétie. Deux sur trois. Au niveau de l'arbre Soma. À côté du point de téléportation, les ruines de la forêt. Ici, vous avez une paroi destructible. Vous passez ici. Là, normalement, vous avez quelques cristaux. Alors, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est ça. Vous les balancez là-dedans et vous ramassez tous les cristaux. Mais pour aller ici, déjà, on tue l'ennemi. Est-ce qu'on peut faire, voyez, on fait ça, on le balance. Et deux fois L1. Et ici se trouve un élément de prophétie. Ici à cet endroit, toujours au niveau de l'arbre Soma, tout à fait en haut à droite, ça va vous surprendre, mais voilà, un Xerxes, 1 sur 2. Au niveau de l'arbre Soma, on va se rendre ici, passage délicat, c'est pour aller chercher une pièce. Donc pour ce faire, je vais peut-être pas réussir du premier coup, on balance ce skill là. Et ensuite, deux fois L1. Voilà. On récupère la pièce et maintenant il faut repartir. Et voilà, pièce de l'exercice obtenue. Je sais que ça tombe sous le sens vu que c'est notre direction, mais il y a des cristaux juste là. À cet endroit en haut, en montant, dans l'arbre Soma, durant votre ascension, prenez sur la gauche ici. Petite entrée ici. Voilà. Et là, vous avez plein de cristaux. En montant sur votre gauche ici, vous avez un petit renfoncement à cet endroit. On y va. Attention, il y a un ennemi qui explose, moi c'est déjà fait. Et là, on ramasse les cristaux supplémentaires. À cet endroit, tout à fait en haut, les cristaux ramassés. Tout à fait en bas, ici, se trouvent quelques cristaux. À cet endroit ici, l'arbre Soma. Notre gauche, on casse. Cristaux. Encore des cristaux. Encore des cristaux. Ici, à cet endroit, dans une petite pièce, protégée du reste, vous pouvez trouver plein de cristaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. D'autres vidéos comme celle-ci viendront incessamment sous peu. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.